Annecy, pour magnifier le nom de Dieu, nous nous nourrir de sa parole et célébrer l'Eucharistie. En ce troisième dimanche, le pape François nous invite d'une façon particulièrement à nous accentuer sur l'importance de la parole de Dieu dans la liturgie. Ainsi, ce dimanche est baptisé Dimanche de la parole de Dieu. La liturgie de ce dimanche nous donne de méditer sur le ministère de Jésus en Galilée. Il enseignait dans les synagogues de Juifs et tout le monde faisait son éloge. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur la grâce de diriger notre selon son amour, afin que nous puissions nous mettre au service de nos frères et sœurs avec humilité. Prière de vous lever pour commencer notre messe et chantons avec la chorale. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes au troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Nous voici rassemblés pour chanter au Seigneur un chant nouveau. Nous sommes venus contempler la splendeur, l'éclat, la puissance et la beauté de notre Dieu. Au seuil de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs
implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Jeudi, c'est dimanche dédié, dimanche de la parole de Dieu. Il a entré avec parole bon Dieu en possession, au fond. Au fur et à mesure qu'il a avancé, nous-mêmes n'a campé pour nous capables d'accueillir la parole là. En présence de l'assemblée. Il lisait dans le livre de la loi et tout le peuple comprenait ce qu'il lisait. Écoutons cette lecture tirée du livre de Néhémie au chapitre 8, versets 1 à 10. Quand arriva la fête du septième mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors, le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre. Depuis le lever du jour, jusqu'à midi,
en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors, Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant la main, répondit « Amen, Amen ». Puis, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis, les Lévites traduisaient, donnait le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant la parole de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne pleurez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Seigneur, sont loyales et pleines.
Saint Paul, soucieux de faire comprendre aux chrétiens de Corinthe la diversité des services dans l'Église, nous raconte la parabole du corps et des membres, puis il nous dit « Vous êtes le corps du Christ ». Écoutons-le au chapitre 12, versets 12 à 30. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Le pied aura beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps. » Il fait toujours partie du corps. L'oreille aura beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps. » Elle fait toujours partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre s'il n'y avait que les oreilles? Comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y en avait qu'un seul, comment cela ferait-il un corps? Il y a donc à la fois plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour les moins respectables, c'est elles que nous traitons avec le plus de respect. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Dieu a organisé le corps de telle façon qu'on porte plus de respect à ce qui en est le plus dépourvu. Il a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun, pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d'enseigner, puis ceux qui font des miracles. Ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Promesse, c'est la vérité.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès les débuts, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons la parole de Dieu. Ça va faire mieux, bonjour. Nous avons le troisième dimanche, temps simple, en temps ordinaire de l'année C. Et dimanche ça, Pape François les baptisé dimanche de la parole de Dieu. Et pour qui ça, les baptiser dimanche ça comme ça? C'est pour montrer l'importance que tout chrétien doit bailler. Parole bon Dieu dans la ville. Très souvent, ça connaît que nous ne pouvons pas être trop importants à parole bon Dieu. Premièrement, on dit que l'Église les a proclamé parole là. Ça arrivait que nous réchita. Nous seulement campé, les pères a dit, le Seigneur soit avec vous. Et pourtant, important sur les paroles là, c'est depuis, non? Chant. Acclamation, hein. Qui m'a dit pour nous camper par respect que nous gagnons pour parole là. Mais quelquefois, on ne peut pas dire c'est fatigue, mais c'est plus négligence. Ou bien par ignorance, nous connaissons des chita, nous pas acclamer parole là par respect que nous gagnons pour parole là. Mais Pape François, il surtout baptisé dimanche de la parole pour inviter nous, plus familiariser nous avec parole, mon Dieu. Autrefois, c'était plus lecture sur Aléquin, sur roman. C'est un peu le monde jeune ou bien moins jeune de qu'on prend habitude pour faire. Mais ce n'est pas toujours le cas pour que le monde prenne une Bible pour être capable de lire la parole, mon Dieu. Si nous avons un sondage tout petit, bien que je ne peux pas faire, nous demandons combien de monde qui a un téléphone intelligent, un smartphone. Toi, quand mon église a dit, je gagne au téléphone. Mais c'est notamment de combien de monde là qui a une Bible. Plus que moitié abdim n'a pas une Bible. On dit que ça vous fait qu'on est là, c'est by plus importance avec d'autres objets et non par la parole de Dieu. Il y a un monde qui est capable de dire, eh bien mon père, on a un téléphone, il y a une Bible à la donne. M'a d'accord.
Mais m'a demandé même mon ça combien fois l'utiliser téléphone ça pour y aller dans Bible. Est-ce que le télécharger application Bible sur téléphone? Non, ou pas pour ça. Je dis à notre dimanche ça pas forcément dit nous qui importance par quoi le bon Dieu a gagné. Faut nous prendre temps nous pour découvrir richesse par quoi le bon Dieu dans la vie nous. Faut nous lire par quoi le bon Dieu. Au moins deux fois par semaine. Ou supposé prendre un petit temps tout le temps que mon Dieu parle yo pour capable lire même si c'est pas en pile mais ou lire quelques versets ou bien quelques chapitres dépendamment de goût ou gagné dépendamment de temps que ou gagné dans parole bon Dieu pas jamais quitter une semaine passée sans que nous pas lire parole bon Dieu nous te mettre te prendre notre téléphone non mais faut que nous lire parole bon Dieu. Pour capable familiariser avec mon Dieu, connaître mon Dieu plus bien. Parce que dans messe là, nous sommes divisés en deux parties, célébration de la parole, célébration de l'Eucharistie. Il y a la table de la parole, c'est un bon en côté mieux. Il y a la table de l'Eucharistie, qui c'est l'autel là. Mais pour nous dire que la première partie dans messe là, c'est la table de la parole. La parole est importante. La parole nous revigore, nous donne vie. La parole nous fortifie. C'est plus qu'une activité qui a été tout. Les qui ont lu la parole de bon Dieu. Les qui ont pris le temps pour découvrir la richesse de la parole de bon Dieu. Il y a des gens qui ont aimé la poésie. Il y a des gens qui ont aimé la belle pensée. Ou bien dans la Bible. Allez dans le cantique des cantiques. Ou bien dans le psaume. Allez dans le proverbe. Ou bien dans la belle parole, belle poésie. Pas que son besoin dans la Bible ou pas besoin. Parce que la Bible, pour qu'on parle, c'est une bibliothèque. Et l'une des bibliothèques, ça veut dire qu'elle rassemble plusieurs livres là-dedans. Donc, nous disons ça, insistance, mais surtout, c'est importance à la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Et dans la même importance, ça, dans la lecture, dans la parole de bon Dieu, nous parlons dans l'évangile, je vous dis, hein, côté que Jésus, lui, entré dans la synagogue là. Comme un bon juif. Et tout bon juif, c'est ça qu'il fait. Le jour du sabbat, il est allé dans la synagogue, dans le temple. Puis il a écouté la parole de bon Dieu. Et par hasard, il a choisi un monde pour faire lecture. Pour lire, il est parti dans la parole, dans la Torah, il est parti bien déterminé. Et voilà que Jésus, c'est lui qui a porté nous, qui est rentré dans le temple. Et pendant qu'il est entré, mon qui est de service là, prêtre qui est de service là, il paye Jésus ou loa. Donc pas de gagner Bible, ou bien pas de gagner lectionnaire, évangéliaire, genre que nous gagnons le connaît là, c'était ou l'eau. Il paye Jésus ou loa. Jésus ouvert ou loa, il a tombé exactement sur parti pour faire des Haïti. Je ne d'abcoté tout à l'heure. Bon, c'est pour nous tout petit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Mais ça n'est pas étonnant, parce que tout le monde n'a pas fait ça. Ils ont parti. Mais ça n'est pas étonnant. C'est là que Jésus a déclaré, je dis à même, parole ça que nous lions, il réalise. Ça veut dire que Jésus déclarait tête, bien affirmé tête comme le Messie, celui qui doit venir. Et tout le monde qui le vit avec Jésus dans la localité connaît ce petit Joseph. Il connaît Jésus pleinement homme. Mais Jésus, avec déclaration ça, dit que c'est mon Dieu. Il avoue l'identité. Et c'est là qu'elle commence à gagner un pile d'interrogation sous gros déclaration ça. Jésus fait. Mais il dit vrai. Et pendant tout le temps, Jésus sur terre, il n'a pas vraiment connu de qui Messie qu'il s'agit. Parce que face au tapant de Messie en patouelle, c'est après résurrection, les disciples et tout l'autre croyant, ils connaissent que Jésus
Il est, il était, il sera le Messie, le choisi, le oint de Dieu, le Logos, donc la parole de Dieu. Et ces mêmes paroles, ces mêmes Messie, ça, qui invitait nous dans la troisième dimension pour nous capables de faire yon seul. Parce que nous tous nous formons le corps du Christ. Nous, chaque là, nous sommes membres dans le corps. Jean-Apôtre Paul dit nous, dans le deuxième mot de la Bible. Nous sommes le corps du Christ. Et chacun de nous est un membre de ce corps. Nous avons reçu l'Esprit, la marque de l'Esprit de Dieu qui fait de nous un seul corps. Saint Paul a constaté que la communauté corinthienne a une diversité, une division. Parce que nous avons regardé sur l'autre pour regarder qui est ce qui est plus fort, qui est ce qui a plus d'importance. Saint Paul a dit non. Il n'y a pas comme ça dans l'église. Là. Si l'autre côté, si dans la société, tout on a regardé qui est supérieur par rapport avec l'autre, mais dans l'église, il n'y a pas comme ça. Chaque monde recevra mission parle dépendamment de volonté, mon Dieu. Et nous tous, nous importants. Et ça fait, apôtre Paul, il y a une histoire qui était déjà là. C'est vrai, nous avons dans la Bible, là, la fontaine raconte la façon pâle. Mais c'est une histoire qui était là entre 5 et 6 siècles avant même Jésus était venu. Comment Fab ça dit, comment histoire ça dit, c'est l'histoire de l'estomac et des membres. Qui ça histoire ça fait raconter? Qui ça le fait passer? Il fait nous comprendre que il y a l'estomac qui n'a encore, qui n'a un côté bien déterminé, qui n'a aucun problème, qui est à l'aise. Mais par contre, il y a plusieurs membres qui forment comme ça. Mais c'est tout membre qui travaille pour bailler l'estomac là manger. C'est Pierre qui a déplacé pour aller marcher. C'est l'esprit qui a travaillé pour comment la faire manger. C'est pour qu'elle a pile, qui a fait manger, etc. Toute partie dans quoi elle travaille. Mais l'estomac là, lui-même, il était tranquille. Et la prétend que manger a fait pour le nourrir, pour le manger. C'est ça seulement qu'on est. Et voilà que, d'après l'histoire, ils ont le tout membre rassemblé ensemble, ils ont réuni. Ils ont dit, bon, c'est trois patons. Nous dit assez. Parce que l'estomac n'est pas capable de pour contrôler, il ne fait rien de ton côté. Et puis tout le temps, c'est nous-mêmes, membres, qui travaillons pour nous mettre l'estomac à manger. Je dis qu'on est là, yo pas travail encore. Il a quitté l'estomac là, comme ça, pour mourir avec la faim, avec grand goût. Et puis, ils ont organisé. Yo n'ont pas bâillé l'estomac à manger. Mais pendant qu'on va bâillé l'estomac à manger, c'est bien. L'estomac là a souffri, l'estomac là mourit. Mais on vient de rendre compte que si l'estomac là mourit, c'est tout quoi net qui a mouru. Parce que depuis on parti, non quoi a pas fonctionné. Surtout, l'estomac là, c'est tout quoi qui a été faible parce que l'estomac là a grand goût. Pour dire que tout le monde utile, tout le monde a importance. L'estomac là a importance pâle, pour être là a importance pâle, pied a importance pâle, yeux a importance pâle, nez a pour être là tout. Partie encore gain importance pa yo et c'est de même on dans l'église là tout le monde gain importance pa yo pape là gain importance pa yo évêque yo père yo tout le monde gain importance pa yo laïc yo frère yo mère yo maestro yo animatrice chorale yo chorale yo groupe yo nous toutes nous gain importance pa nous et nous yon papi plus passé l'autre. Père pas capable dire supérieur par rapport avec enfant de cœur yo ni enfant de cœur yo supérieur par rapport avec père yo père pas capable dire supérieur par rapport avec chrétien yo avec fidèle yo d'ailleurs père yo li yo là pour fidèle yo si pas gain père pas gain fidèle si pas gain fidèle pas gain père si pas gain chorale pas gain animatrice si pas gain animatrice pas gain chorale et nous tous nous gain même importance dans chez mon Dieu n'a fait même travail là et ça fait. Par exemple, dans le choral, tout le monde n'est pas animatrice, tout le monde n'est pas capable de faire dans l'église, tout le monde n'est pas capable de faire dans le diocèse, tout le monde n'est pas capable de chers soeurs, chers frères, tout le monde est capable de faire ça, dépendamment de sa bonne Dieu. Et ça fait, ou dans le choral, qui est animatrice, ou pas capable de vieux de place, pourquoi c'est vous-même qui êtes supposé animatrice? Ou pas capable dans l'église, qui est tambouriner, qui est monde qui joue musique, ou vous-même qui êtes capable de faire des pianos, des guitares, etc. Sinon, il n'est pas bon. Non, ce n'est pas comme ça. Nous toutes, nous avons une importance. Non. Même si on est là dans la société, je dis de l'église, on est là, on a parlé de la société. Nous avons dit qu'il n'y a pas de saut métier. Tout le monde dans la société, dépendamment de ça que vous apprenez, de ça que vous faites, vous êtes tous utiles.
monde qui connaît faire maçon donc ingénieur bon se forme non mais de vieux monde qui c'est avocat monde qui c'est médecin infirmière là nous toutes nous qui importance dans la société là on parlait où on était aller plus bas monde cap nettoyer sous lié yo dehors yo qui importance pa yo moun ka fait job yo ka pousser bourette yo ka fait taxi yo taxi moto bien machine yo tout yo qui importance nous besoin yo tout nous dit il n'y a pas de sous métier et tout monde qui même importance dans chez mon Dieu pas parce que pensons non fonction qui pire haut dans société là pour garder l'autre là bien bas pour penser que l'inférieur avoir non yo l'ont capable besoin pas parce que mon père jodia me dit pi plus par son infirmière pi plus par son médecin non parce que yo le m'a besoin c'est youn compléter l'autre la vie li complémentaire par rapport avec moun qui vivent la donne yo suspend qu'a des moun son apparence mais suspend qu'a des têtes tout par rapport avec en fonction que gagné par rapport avec un métier que gagné mais pour penser que pi plus ou bien supérieur par rapport avec l'autre là nous toutes et nous chaque nous gagnons même importance dans chez mon Dieu et c'est conscience ça apôtre Paul a fait monde corinthien comprendre connaît que dans mon Dieu nous toutes nous gagnons même importance donc suspend développer la caïnon un complexe de supériorité ou bien un complexe de d'infériorité par rapport avec l'autre là mais connaît que nous toutes nous gagnons même valeur et connaît que service nous tout et nous chaque n'apprend dans l'église là service ça est précieux service ça est important dans chez mon Dieu pendant toute la vie nous pendant l'Eucharistie ça on demande bon Dieu la grâce premièrement pour nous capables de familiariser nous avec parole li. Le goût de lire la parole de Dieu le goût de se frotter avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu donne vie. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La demande pour Dieu grâce à pour être capable de familiariser nous davantage avec la parole. Apprendre, comprendre la parole de bien. De nous laisser nous inspirer par son esprit. Non seulement pour avoir le goût de lire la parole, mais de comprendre sa parole. La demande pour Dieu toute la grâce. Même Jean, apôtre Paul dit dans le deuxième morceau de la Bible, là, pour ne pas jamais garder l'autre là, il bat, parce que non. Non. On a tous les mêmes importances. Et Jean, quand on me dit, ça ne vient en commun, c'est du souffle là. Même si on est gros, l'autre là petit, même si on est une belle, l'autre là moins belle. Même si l'autre là qui a une grosse fonction dans l'État, dans la société, dans l'Église là, et que l'autre là, entre parenthèses, de rien du tout, nous toutes, nous gagnons même importance. Nous toutes, nous braler même côté. Nous toutes, nous passer même côté. Nous toutes, nous gagnons même chemin en capitaine. Nous toutes, nous gagnons même petit souffle là. Donc jamais garder l'autre là pour penser ou plus passer. Et troisièmement, dans l'Église là, comprendre que travail pas ou à faire dans l'Église là, qui importance pas. Travail où tu es capable de penser qui est minime, non. Même monde qui a fait quête là, même monde dans l'église qui a fait l'ordre, même ministre extraordinaire de l'Eucharistie, quel que soit monde qui a pris un service dans l'église là, ou même qui est fidèle, qui vient participer dans la célébration, nous tous et nous chaque, nous gagnons même importance dans le bon Dieu. C'est 31, 21, c'est même 31. Et j'aimerais me dire, j'ai parlé au bon Dieu, à dire, il travaille pour une pièce. Quelle que soit la fonction qu'il y a dans l'église. On m'a dit, bon Dieu, la grâce pour être capable de comprendre la réalité ça et laisser ça tout bon. Ne vive pas dépendamment de volonté, non, mais dépendamment de volonté, bon Dieu. Jean, bon Dieu, voulait pour nous vivre là, pour nous grandir, pour nous constituer royaume, dans nos papas, petite là, avec l'Esprit Saint.
Et maintenant, mes frères et mes sœurs, je vous invite à vous lever pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous demande d'être unis. Je crois en Dieu. Le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur le cross Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. D'un seul cœur, d'une même et seule foi, adressons à Dieu nos humbles pour notre pays, pour notre communauté. Après chaque intention, nous chanterons ensemble. Universelle et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que Dieu leur donne du courage de continuer d'être au service de son peuple et d'enseigner son peuple avec amour. Ensemble, prions le Seigneur. Dirigeants politiques du monde entier, spécialement ceux d'Haïti. Puisse Dieu les aider à reconnaître qu'ils sont là pour servir et non pour être servis. Ainsi, notre pays pourra connaître la voie du développement et du progrès. Ensemble, prions le Seigneur. Ceux et celles qui connaissent des difficultés de toutes sortes, afin qu'ils trouvent de bons serviteurs capables de les aider à surmonter leurs épreuves. Ensemble, prions le Seigneur. Communauté paroisse Nouan, pour nous toutes qui présents dans la messe là, à tout silayo, à suivre nous à travers réseaux sociaux yo. En demande bon Dieu grand maître là, pour libérer nous plus sagesse dans parole li, plus dans la vie nous. Comme ça, n'ava en mesure pour nous parler de li, à frère, à sœur nous yo, tout côté nous passer. Ensemble, en nous la prière. Nous
le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable. Qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître.
En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, à notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les esprits, tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, «
prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun de nous ici rassemblés, sur toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, sur toutes les personnes également qui participent avec nous à travers les réseaux sociaux, la radio Télé Alta Grâce, nous implorons ta grâce. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Pour ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, « Je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce soir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Thank you.
Prions ensemble le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ayant si annonce tout court, avant que nous ne annonçons, nous voulons remercier tout le monde qui participe dans la célébration, ça, de près ou de loin. Nous disons merci, mais nous connaissons plus gros remerciements. C'est pour bon Dieu, c'est dans bon Dieu. N'a pas de gros bravo pour nous dire bon Dieu, merci. Nous dit chorale Seigneur merci, nous dit musicien merci, nous dit enfant de cœur merci, nous dit mon qui t'a fait lecture pour nous, commentaire merci, comité quête, tout le monde net qui t'a participé dans la célébration, ça, une façon bien ou l'autre, nous dit tout merci et n'a pas bravo pour nous capables pour eux, merci. Jeudi, dimanche 23 janvier, qui est le troisième dimanche temps ordinaire à Nessé. Nous dit que jeudi, dimanche ça, il est baptisé dimanche de la parole de Dieu par Pape François. Décision que il prend pour le capable d'encourager le bon Dieu à nous-mêmes fêter le lieu pour nous lire la parole de bon Dieu, familiariser nous davantage avec la parole de bon Dieu. Nous avons messe à 6 heures comme d'habitude, messe à 8 heures. Et désormais, troisième messe n'est pas faite à 9h30 encore. De façon pour nous gagner assez de temps pour deuxième messe à finir et que tout le monde commence troisième messe à l'heure. Donc, troisième messe a commencé à 10 heures. Je ne fais le jeudi hein, à 10 heures. Donc, c'est 6 heures, 8 heures, 10 heures. 4 heures après-midi pour quatrième et dernière messe dominicale. Je dis à Ketla, il est réservé pour le synode. Pas bien, nous entendons, quand l'église a invité nous pour nous marcher ensemble. Synode-là, il y a une vie synodale, il y a une communauté synodale, c'est une communauté côté, nous n'avons qu'à l'autre pour nous marcher ensemble. C'est marcher ensemble. C'est ça que les synodes. Donc, qu'est-ce là, les réservés à elle. Mardi 25 janvier, c'est la fête de la conversion de Saint Paul. Tous les matins, je vous rappelle qu'il y a messe en semaine à 6h et à 7h. Et après la messe, il y a adoration du Saint-Sacrement après messe. Samedi 29 janvier, c'est journée de prière et de louange. Il y aura messe à 6h, messe 7h, messe midi et messe à 4h à la chapelle Padre Pio. Dimanche 30 janvier, c'est pour le quatrième dimanche temps ordinaire à Nessé. Après messe à 6h, après messe à 8h, après messe à 10h et à 4h. Et c'est également journée mondiale des lépreux. Demandez au groupe, à chorale, à tout l'autre monde qui a travaillé sur le questionnaire synode-là, pour vous porter réponse à la question dans le bureau presbytère le plus tôt que possible. Thème synode-là, nous connaissons, c'est une, pour une église synodale, communion, participation et mission. On va mettre ensemble pour une église synodale. Communion, participation, mission. Une troisième fois, pour une église synodale, communion, participation, mission. C'est ce thème ça, groupe à chorale, à rappeler l'autre monde, à travail. Mm-hmm.
funérailles, events, samedi, 9h du matin. Donc, on est events, c'est membre chorale CNDA qui était mort Saint-Domingue. Donc, funérailles là, c'est samedi, 9h. Au peuple de Dieu de l'archidiocèse de Port-au-Prince, paix et joie. L'archevêché de Port-au-Prince invite tout le peuple de Dieu, les prêtres, les unités pastorales de la zone métropolitaine, les religieux et religieuses œuvrant dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, le grand séminaire, les membres de la coordination du synode, les membres des pastorales des jeunes et universitaires, les membres des mouvements d'action catholique, à bien vouloir prendre part à la célébration de la messe d'action de grâce pour la présentation et la bénédiction de la mission de Son Excellence Monseigneur Francisco Escalante Molina. C'est le nouveau nonce apostolique en Haïti. Cette messe d'action de grâce aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à 9h AM à la paroisse Saint-Pierre-Pétionville. Venons vivre ensemble à travers cette Eucharistie la synodalité de l'Église dans la foi, la piété et l'espérance des jours meilleurs pour Haïti. Note signée à l'archevêché de Port-au-Prince le 22 janvier 2022. Groupe Sainte-Famille fait tout membre yo connaît a bien réunion après-midi à partir de 2h dans l'église là. Merci. Et c'est responsable là qui signent notre salle. 5 février 1882, 5 février 2022 a fait 140 ans du miracle de la petite vérole. En ce sens, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Fragneville invite tous les chrétiens à prendre part à une neuvaine de prières du 27 janvier au 4 février à midi. Thème non, c'est « Maman, aidez-nous joindre lumière pour faire noir Kaba dans le pays. » Maman, aidez-nous joindre lumière pour faire noir Kaba dans le pays. Nous disons bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire de naissance. Nous avons cité nous et c'est quelqu'un monde là qui est assemblé là qui a célébré l'anniversaire, nous sommes capables d'avancer pour nous capables de recevoir bénédiction. Nous disons bonne fête à Anne-Christie Rousseau, Anne-Christie Béliard, excusez, c'est Anne-Christie Béliard, c'est Evans Rousseau Junior, Kylie Lynn Villain, Manita Gabriel, Marie-Jolie Lacroix, bonne fête à Marie-Émile Joseph, à Mireille Hector Choulout, bonne fête à Myriadel Jolive Boursico. Bonne fête à Monas Skadimi Pierre, Robert Lelioroc, Sayan Analuise. Bonne fête à Souverance Guillaume, Alexis Florian, Amélie Elveus, Garçon Serge. Bonne fête à Jean-Sandy Thomas, Jocelyne Sulichéry, Jonathan Augustin. Bonne fête à Claude Roche, Toussaint Marie-Anna, Judith Valentin. Comme il y a plusieurs messes, il y a un pile qui était dans la messe 6h, il y a l'autre qui était dans la messe 8h, mais il y a un seul là qui est dans la messe 9h, nous allons avancer devant, puis devant. Nous allons la prière pour lui et nous allons chanter pour lui les joyeux anniversaires de naissance. Donc on dirait qu'il y a un deuxième. Donc il y a un deuxième, c'est un fille avec un garçon, donc qui a célébré qui l'a dans la messe là. Pendant que nous avons la prière pour vous, nous-mêmes dans la prière dans le fond que nous, pour vous, pour bon Dieu béni vous dans le jour ça. Anniversaire
Et maintenant, levons-nous. Nous allons saluer notre mère et après recevoir la bénédiction finale. Je vous salue. Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, Notre-Dame d'Alta Grâce, le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. À chacun de vous, je souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Merci, mon Père, pareil. Merci. Allez dans la paix du Christ. Merci.